Salut à vous, Liveur Liveuse, et bienvenue au sommaire des bandes essais de guitare live. Aujourd'hui, on va se voir ensemble deux entrées de gamme issues de la marque Eagleton avec l'Aero 8 et l'Aero 30. L'Aero 8, c'est un ampli qui fait 4 watts de puissance, donc qui est un ampli destiné à être transporté, qui est donc livré avec une sangle et un adaptateur secteur. Vous aurez aussi la possibilité de le faire fonctionner sous pile, et donc lorsqu'il sera sous pile, il fonctionnera pour à peu près 8 heures d'autonomie. Ici, au niveau des contrôles face avant, on va retrouver un volume pour le son clair. Aussi, dédié au son saturé, on aura donc la possibilité d'avoir 6 modélisations de son saturé différentes, un dosage du gain et un dosage du volume du son saturé. On va retrouver aussi un accordeur, un equalizer 3 bandes, deux sections dédiées aux effets avec une section dédiée aux effets de modulation dans laquelle on retrouvera un chorus, un flanger, un phaser et un trémolo, et une autre section dédiée aux effets de retard avec un delay et une reverb. Au niveau ensuite des connectiques face arrière, on va donc retrouver un bouton d'alimentation. On va retrouver aussi évidemment la prise de l'adaptateur secteur, le logement des piles, donc pour pouvoir mettre les piles. Ensuite, on va retrouver donc une entrée ligne, une entrée CD MP3 en mini jack et une sortie ligne, qui peut aussi faire office de sortie casque, en sachant évidemment que cette sortie casque ou ligne, dès que vous l'utiliserez, elle va couper le haut-parleur. L'Aero 30, c'est un ampli qui, comme son nom l'indique, développe 30 watts de puissance. Ici, je vais plus vous parler finalement des différences qu'on a entre l'Aero 8 et l'Aero 30 que vraiment d'une fiche technique complète. Alors, au niveau de la première différence qu'on a, c'est évidemment le haut-parleur. On a sur l'Aero 30 un haut-parleur de 10 pouces, alors que sur l'Aero 8, on a un haut-parleur de 6 pouces et demi. Ensuite, au niveau des contrôles de préampli de l'Aero 30 à l'Aero 8, on perd une modélisation au niveau de la saturation. Ici, on aura donc 6 sons avec le clean inclus. On a en plus donc deux entrées guitare différentes qui nous permettront de brancher une guitare traditionnelle ou une guitare à haut gain. Ensuite, la grosse innovation finalement, par rapport à l'Aero 8 de l'Aero 30, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir sauvegarder 4 réglages personnalisables. Normalement, le foot switch qui devrait sortir d'ici quelques temps devrait pouvoir permettre de contrôler ces 4 sons au pied. C'est un ampli qui sort à un tarif public d'environ 150 euros. Alors, la série Aero chez Eagleton, c'est une série dont le principal argument restera évidemment le prix de vente. On est à moins de 100 euros sur l'Aero 8 et aux environs de 150 euros sur l'Aero 30. J'ai quand même un petit faible pour l'Aero 30 parce que je trouve que les sons se diffusent mieux, notamment le bas du spectre avec le haut-parleur de 10 pouces. Sinon, dans le global, en termes de qualité, je retiendrai la qualité des différentes modélisations proposées. Et puis, en termes de défauts, tout simplement les deux sections d'effets. Je trouve que dès qu'on enclenche les deux sections d'effets, on a tout de suite le spectre du son qui est envahi par l'effet et donc une impossibilité de faire des réglages fins avec ces différents appareils. Voilà, je vous laisse avec la suite de Guitar Live ou de Guitariste. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux bons essais. À ciao!